Et yo tout le monde, c'est KingMa13 et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. J'avais fait un tuto sur comment piloter le B29. Et bien maintenant c'est au tour de comment piloter A10. Alors c'est un véhicule quand même assez utilisé. C'est je pense le deuxième ou troisième plus utilisé après le F-14 et le Harrier je pense. Très bien. Honnêtement c'est mon avion préféré. Mais bien évidemment je joue plus le F-35 et le B29 depuis qu'ils sont sortis. Mais IRL ça reste mon avion préféré. Donc je vais vous faire un tuto sur comment le piloter actuellement. C'est pas le plus dur, mais on va dire que ce qui peut poser problème, c'est au niveau du placement des bombes. Au B29, vu qu'on en a 12, c'est pas très important. La 10, c'est pas la même chose, il y en a que 4. Donc on va se pencher tout de suite sur le sujet. Alors il faut savoir deux choses, c'est qu'en raid, vous utiliserez sûrement le Go 8, le canon mitrailleur à l'avant, et les bombes. Ce sera surtout ça que vous utiliserez. Les bombes sont très utiles pour détruire les boucliers et détruire des véhicules tels que Panzer, Patriot ou AT-AT, donc les anti-air, mais aussi pour faire mal aux tanks, qui seront un gros problème si jamais la personne sait bien jouer les tanks, car ils peuvent détruire votre A10 avec un seul obus. Donc, il faudra savoir utiliser en même temps les deux types d'armes. Une qui sera plus dans l'attaque en niveau précision, où ce sera plus dur à viser, qui sont les bombes, car c'est pas directement là où il y a notre curseur, on doit regarder en bas de notre écran justement, ou là où il y a le cercle vert. Si jamais vous ratez vos bombes, ça peut être fatal, parce que ça peut soit enchaîner avec beaucoup de missiles de Panzer, soit avec un obus de tank qui vous sera directement fatal. Un des gros avantages de la 10 que même le F-35 n'a pas, c'est que la 10 peut rapidement larguer toutes ses bombes. Le gros problème que je trouve avec le F-35, c'est justement que ces bombes ne peuvent pas se languer aussi rapidement. Par exemple, sur la 10, on peut envoyer des 4 bombes presque sur le même endroit en piquant un peu à vitesse maximale, alors qu'avec le F-35, il y aura forcément un décalage. Là, comme on peut voir, j'ai réussi à placer presque toutes les bombes au même point sur le pont. Ce qui est quand même assez utile lorsqu'on va larguer beaucoup de bombes sur un même point précis. Exemple, sur un tank. Alors pour facilement détruire un shield, c'est très simple, il suffit juste de montrer très en altitude. Je vous conseille à peu près à entre 1000 et 1200 mètres pour un A10 Warthog. Et vous piquez sur le shield, comme ça vous allez canarder avec votre Go 8, votre gros canon, et pouvoir larguer les bombes en même temps, ce qui va faire beaucoup de dégâts au shield. Les 4 bombes de A10 détruisent presque le shield en entier à lui tout seul, ce qui peut être un gros avantage pour les raids. Cependant, pour détruire ces rames, vous pouvez faire de la même technique que ce que je viens de vous dire, ou aussi essayer de vous mettre plus parallèle, toujours un peu plus en hauteur, pour pouvoir facilement la canarder. Ce qui permettra de pouvoir facilement tourner l'avion pour directement attaquer les générateurs ou la trappe du bunker selon l'orientation dans laquelle vous venez. Alors pour atterrir c'est relativement simple, il faut descendre, si jamais vous venez de haut en hauteur il vous faut piquer, pas trop parce que sinon ça peut faire comme avec le B29 et il risque de se passer ça. Et si jamais ça arrive, votre avion il est mort comme vous avez pu voir sur le rec. Donc il va falloir arriver quand même un peu doucement pour faire en sorte que le premier train d'atterrissage roule doucement sur la piste de là où vous allez atterrir et qu'après les deux autres trains à l'arrière puisse toucher assez rapidement après que le premier est touché pour justement éviter que l'avion se retourne. Comme avec le B29 justement, c'est à peu près le cas pour tous les avions, mais encore plus avec la 10 parce que le train d'atterrissage de la 10 est quand même relativement bas et que du coup si jamais vous atterrissez trop en piqué, le nez de la 10 risque de toucher en premier et de tuer votre avion. Alors pour atterrir sur un toit comme celui du hangar des avions, c'est relativement simple, c'est comme le B29, je vous conseille d'arriver à une vitesse d'à peu près 45% voire 50% et que lorsque vos roues sont au-dessus du toit, vous coupez totalement les moteurs et vous arriverez à atterrir facilement et tranquillement sans aucun souci. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas à liker, vous abonner, commenter et partager la vidéo. Sur ce, c'était KingMa13 et je vous dis ciao !